Alors nous sommes très heureux de l'accompagnement de la collectivité régionale sur cet ambitieux projet que porte la NASA, l'aventure nautique de Sainte-Anne, qui est celui de ramener le maximum d'entre nous aux activités nautiques, les jeunes, nos aînés, et les personnes n'ayant pas forcément les moyens d'y accéder, les personnes à mobilité réduite, les personnes porteurs d'handicap. Enfin bref, il n'y a pas de restriction à venir découvrir ces activités que nous proposons à l'occasion de ces vacances, mais tout au long de l'année. L'idée, c'est de renforcer cette activité maritime qui est la nôtre, pour qu'on puisse mieux former, mieux préparer à aborder les enjeux liés à notre avenir et liés au nôtre. Ce projet-là, il est multidimensionnel et effectivement, il y a un volet formation. Il y a un volet qui concerne le sport, on est aussi comme sportif à l'origine, un volet qui concerne l'éducation et le social, un volet formation en passerelle entre les deux, avec l'ambition ici de pouvoir former ce qui demain prendront la suite. Un volet également économique, qui est celui de créer de la richesse économique, de la richesse humaine et de la richesse intellectuelle. C'est tout notre projet, nos convictions que l'on met dans notre projet et on espère beaucoup faire.